Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième avec pour objectif de vous faire découvrir trois nouvelles solutions, trois nouveaux porteurs de projets qui sont avec nous aujourd'hui autour de la thématique retrouver la communication grâce aux outils technologiques. Donc on a avec nous aujourd'hui de Wise. Bonjour Sarah. Philippe Rosier, fondateur de Tati Laptique et Jean-Luc Lebon, fondateur de Candy Voice. Merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Merci aussi aux participants que je vois arriver petit à petit. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes de son, d'image. Je pourrais régler ça. En tout cas, je pense qu'on s'entend tous bien, donc il n'y a aucun souci. Il y a un petit écho derrière, mais bon, c'est... Il y a un petit écho ? Ouais, mais c'est pas grave. Peut-être, Sarah, t'as pas de casque. Non, mais c'est bon, ok. C'est moi qui a un écho ? Peut-être. On va voir. De toute façon, après, chacun parlera à son bureau, donc il ne devrait pas y avoir d'écho, normalement. Donc, ça va se dérouler justement. Donc, les trois porteurs de projet avec nous, Sarah, Philippe et Jean-Luc, vont du coup vous présenter leurs solutions tour à tour. On aura en fin de webinaire un petit temps de questions-réponses pour qu'ils puissent. Ça y est, c'est parti. Donc vous avez en bas à droite un chat. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions au fil de l'eau. Voilà, aux trois porteurs de projet, on aura ce petit temps de questions-réponses en fin de webinaire. Ça nous laissera le temps du coup d'y revenir, mais n'hésitez pas en tout cas à réagir ou à poser vos questions au fil de l'eau. On va tout de suite commencer. Je vais laisser la parole pour la première présentation à Sarah pour Wise. Ah, non, on ne t'entend pas, Sarah. Je pense que c'était mieux sur le groupe. Super. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. C'est très bien comme ça. Allô ? Oui, tu nous entends ? Je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'ai perdu le son. Alors oui, on t'entend bien. Faut pas brancher le haut-parleur. Vaut mieux enlever les écouteurs. Okay. Faut enlever l'écouteur. De toute façon, on te laisse présenter Wise et puis je ferai les grands signes s'il faut. Pour passer au prochain. Tant que tu vois l'écran, c'est top. Ah, on t'entend plus, Sarah. On t'entend pas. Non. On t'entend plus. Bon, on va peut-être commencer par le prochain, peut-être le temps que Sarah règle ses problématiques de son. C'est pas très problématique. On va peut-être commencer avec toi, Philippe. Pourquoi pas ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bon, après le pourpoint, alors. Hein. Bon, ben, super. Bonjour. Donc voilà, je suis Philippe Royer, fondateur de Tactile Haptique. Donc nous développons une solution qui permet aux personnes ayant des petites capacités d'expression de communiquer avec leurs proches. Voilà, donc on peut passer la slide, c'est juste une introduction. Je suppose qu'on est tous un peu dans les mêmes problématiques de toute façon. Donc face au problème effectivement d'expression dans le polyhandicap ou de grand handicap qui sont dus effectivement à des problèmes, des troubles du langage, hein, quelquefois de l'aphasie, de l'absence totale d'expression, la mobilisation physique qui est difficile ou parfois impossible, une perte ou une absence de toucher émotionnel, tout ça crée une situation de grand isolement et accentue la douleur physique et psychique. Alors nous proposons pour résoudre ces problèmes de jouer de la musique juste avec la peau. Donc si on pouvait juste passer la vidéo. Il y a le son ? Non, il n'y a pas de son. J'entends pas le son, donc c'est... Ah,
Il y a un son très faible. Non, il n'y a pas de son. Moi, j'entends un son très faible, mais voilà. Alors, c'est vrai que c'est gênant, puisque... À fond, pourtant. Si les gens entendent, tant mieux. Moi, je n'entends pas, hein, de mon côté. Tu as un casque, Carla ? Non, mais de toute façon, je renverrai tous les éléments, les vidéos, etc. Donc, pour les personnes qui veulent voir la vidéo, il n'y aura aucun souci. Mais c'est en effet, le son ne sort pas très bien. Alors, justement, comme... Je renverrai tous les éléments en participant, il n'y a aucun souci. Pour que... Pardon, excusez-moi, je reprends la parole, du coup, si la vidéo ne fonctionne pas. Voilà, c'est important de le monter en termes d'illustration, puisque c'est effectivement le principe même, hein, c'est que notre peau devient capteur et permet de contrôler des sons et de la musique. Donc, je vais vous expliquer par la suite un tout petit peu comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est bien de le visualiser, puisque du coup, il n'y a pas vraiment de référence par rapport à ce type d'outils. Donc, ça se définit comme un outil de lien sensoriel et social, intuitif, léger et mobile, et qui est praticable par tout type de public. Donc, slide suivante. Voilà, donc c'est une technologie qui est basée sur la variation d'impédance. Les électrodes sont au contact de la peau de chaque utilisateur, reliées à un générateur. Et selon la pression, la zone de contact, la surface, la température, on fait varier une valeur d'impédance qui est corrélée à des valeurs numériques pour contrôler du son et de la musique. Donc le dispositif se constituait donc d'électrodes et un générateur, une application et des enceintes pour restituer effectivement le son. Alors les applications, effectivement, c'est une forme de communication alternative qui permet de procurer de la relaxation et du plaisir et de se mobiliser physiquement. Qui permet de sortir de l'isolement pour un moment de partage d'émotions dans un nouveau ressenti de son corps dans la relation et permet effectivement de diminuer le stress pour un bénéfice autant pour la personne qui communique que pour l'aidant qui va être en relation avec la personne. Donc, ce projet s'inscrit dans une démarche assez longue. Je viens du monde de la culture et donc j'ai travaillé dans le spectacle durant 20 ans. Et j'ai développé cette interface dans les années 2000 que j'ai appliquée sur des projets artistiques qui correspondent dans la genèse à toute la couleur jaune, hein, qui est le départ des projets. Dans lequel effectivement j'ai proposé au public de se mettre en relation par le toucher avec les interprètes dans des projets participatifs et des performances. Puis j'ai appliqué cet outil spécifiquement dans le champ de l'action territoriale durant 6 ans, qui m'a permis, par rapport à des programmes handicap et culture ou culture et santé, de faire en fin de compte de la recherche appliquée en structure. Et après 6 mois de travail en maison d'accueil spécialisée dans le grand handicap, je me suis dit que c'était un peu dommage que je sois le seul au monde à utiliser cet outil et qu'il fallait le rendre disponible. C'était suite, bien sûr, au retour des utilisateurs et des professionnels. Et donc, j'ai créé une société et je développe cet outil pour effectivement le mettre à disposition des professionnels dans le médico-social et le grand handicap. Voilà, on peut passer. Voilà, bon, au sein de cette recherche, hein, le public qui a expérimenté a été extrêmement large, hein, puisque du coup, effectivement, au-delà du polyhandicap, j'ai pratiqué autant avec des personnes en situation de trouble du spectre autistique, que des personnes âgées, que des personnes dépendantes, mais aussi des aidants familiaux et, je dirais, tout public, en quelque sorte, dans différents espaces, dans le champ donc médico-social ou sanitaire. Voilà. Et donc, on peut définir cet outil, puisque le son génère la peau, enfin le toucher génère du son, et donc contrôle du son selon la nature de la relation, comme un outil de lien, mais du lien entre l'ouïe et le toucher. Donc on peut dire que c'est un outil de synesthésie, un outil de lien entre moi et l'autre,
un outil de lien entre l'émotion et la cognition et un outil de lien entre le physique et le somatique, le psychique pardon et le somatique. Voilà, c'est un projet Air Science que je développe accompagné par l'Institut du cerveau de la moelle épinière et son incubateur. Voilà. Super, merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Je remettrai je ferai un mail récap avec le replay, je remettrai les vidéos voilà, pour ceux qui n'ont pas pu entendre le son. Comme ça ils auront tous les éléments pour découvrir un peu plus en profondeur vos projets. On va passer à toi Jean-Luc, on reviendra sur Sarah après en espérant que le son soit bon. Hop, je te laisse la main. Ok. Donc, Candy Voice est une société spécialisée dans le traitement numérique de la voix. Nous avons développé plusieurs logiciels dans ce domaine, filtrage de bruit, transformation de la voix, imitation vocale. Tu peux passer, voilà. La voix est le principal moyen de communication. Il permet de reconnaître à la voix le locuteur, de comprendre ce qu'il dit, bien entendu, mais aussi de reconnaître si son genre, son âge, ses émotions, ses expressivités, c'est même maintenant une donnée biométrique. Suivant. Être privé de la voix, c'est assez dramatique, puisqu'on vient de voir qu'il y a le contenu, le texte, ce qu'on dit, et la forme. Et la forme est beaucoup plus importante des fois que le contenu. En être privé, c'est être atteint de différentes pathologies. La première, c'est donc il y a deux catégories en fait. Il y a ceux qui parlaient normalement, qui n'avaient pas de problème de voix et qui, suite à une maladie, vont perdre l'usage de la voix. Donc c'est le cancer des voies aérodigestives supérieures. Ces personnes vont apprendre assez rapidement qu'ils vont devoir se faire opérer, ils ne pourront plus parler. Ensuite, vous avez la sclérose latérale amyotrophique, donc des personnes qui vont apprendre un jour aussi qu'ils ne pourront plus parler petit à petit. Ceux qui parlaient et qui, suite à un accident vasculaire cérébral, vont avoir de grosses difficultés pour s'exprimer, vont peut-être pouvoir réapprendre à parler, ça va prendre du temps. Et la deuxième catégorie sont ceux qui ont toujours eu des soucis pour parler, qui éventuellement sont capables de faire des mots, mais auront beaucoup de mal pour faire des phrases. Ce sont ceux qui souffrent d'infirmité motrice cérébrale et les autistes. On peut passer à la suivante. Les technologies qui leur permettent de s'exprimer sont des aides à la parole. Ce sont des logiciels qui tournent sur des tablettes où, en cliquant sur des icônes, une phrase va être générée et synthétisée avec un text-to-speech, synthèse de la parole à partir du texte. Malheureusement, ce qu'on va offrir comme voix ne correspondra en général pas du tout à la voix de la personne. Par exemple, l'enfant qu'on voit ici sur le PowerPoint, on va lui donner une voix d'homme. Ce n'est pas du tout adapté. Donc, les problèmes qu'on a vus avant où, OK, on va synthétiser le texte, mais on ne va pas synthétiser la personnalité de la personne. Pratiquement 90% des informations liées à l'expressivité, liées à l'émotion, liées à l'identité de la personne vont être perdues. Donc, des solutions existent qui consistent à créer un text-to-speech personnalisé à la voix du locuteur, de la personne malade. Malheureusement, cette technologie très efficace nécessite beaucoup de phrases, à peu près un millier de phrases. Et elles ne sont pas du tout adaptées à une pathologie dont il est question ici. Ces personnes ne seront pas capables d'enregistrer un millier de phrases. Même 500 phrases, ça va être très difficile pour eux. En plus, ce processus est assez complexe. Maintenant, on utilise des réseaux de neurones, c'est très bien, sauf que ça demande beaucoup de puissance de calcul pour créer le modèle. Ça va prendre du temps pour le générer. Et ensuite, pour synthétiser la voix aussi, sur une tablette, ça ne peut pas forcément être évident pour générer une voix
et de ne pas trop consommer aussi l'énergie de la tablette. On peut passer à la suivante. En fait, la solution, au lieu de réapprendre un text-to-speech, puisque le text-to-speech, il lui faut des dizaines de milliers de phrases pour avoir une bonne voix générique, nous allons utiliser notre logiciel d'imitation vocale pour juste changer le timbre. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'apprendre des milliers de phrases pour pouvoir savoir faire parler, donc un texte vers la voix. Nous allons utiliser les voix génériques des TTS qui sont sur les tablettes, qui sont sur les PC, pour juste changer le timbre et donner la prosodie de la personne. Ainsi, grâce à la technologie d'imitation vocale, nous aurons besoin de beaucoup moins de phrases. Et nous sommes même capables de générer une voix uniquement en apprenant des mots. Donc, c'est beaucoup plus simple pour créer un modèle vocal, c'est beaucoup plus rapide, et surtout, ce qui était impossible avec les technologies actuelles, concurrentes, où il faut, où ces personnes ne peuvent pas, ne sont pas capables d'enregistrer des centaines et des centaines de phrases, avec notre technologie, on peut adresser, c'est 90% de personnes qui aimeraient bien utiliser une synthèse vocale, personnaliser leur voix, et qui actuellement ne peuvent pas être adressées. Donc, avec notre solution, on va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes pour générer et synthétiser leur voix. Ainsi, on peut passer à la suivante. Ainsi, donc, les bénéfices, c'est les 90% de tout à l'heure, c'est-à-dire on va pouvoir reconnaître la voix de la personne. Au niveau familial, social et professionnel, il y aura un impact positif très, très important. La personne va se reconnaître, mais son entourage aussi, forcément. Et ceci, forcément, va améliorer la qualité de sa vie. Alors, dans le cas de ceux, effectivement, qui savaient parler, qui savaient faire des phrases et qui perdent cette capacité que tout humain a, tout humain ou presque, puisque ceux qui ne savent pas faire des phrases, donc ceux qui souffrent d'infirmité motrice cérébrale ou qui sont autistes, et qui n'ont pas la capacité pour certains de faire des phrases, donc d'enregistrer leur voix et d'avoir leur modèle, mais qui seront capables de faire des mots, ils pourront, pour la première fois de leur vie, et pour son entourage, parler avec des phrases d'une façon fluide, avec leur voix, ce qui va créer forcément un choc, que ce soit pour eux ou pour l'entourage, qui pour la première fois de leur vie vont entendre leur enfant, par exemple, parler avec leur voix, alors qu'ils ne savent faire que des mots. Donc, on peut passer à la suivante. La technologie est assez simple. En fait, on a un logiciel spécifique pour le studio. Pour enregistrer leur voix en studio, c'est l'idéal, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit ambiant quand la voix va être enregistrée, pour que ça soit supervisé, pour être sûr que la personne ne se trompe pas. Maintenant, on donne la possibilité aux utilisateurs d'enregistrer leur voix chez eux à partir d'une application qui est sur notre site web app. Cette voix enregistrée va ensuite générer un modèle et que l'on va retravailler chez nous pour générer le modèle vocal qui va être utilisé ensuite dans un logiciel d'aide à la parole type CAA, donc par exemple une tablette sous Windows 10 ou autre. On indique sur le PowerPoint le nombre de phrases dont on a besoin. Dans l'idéal, 160 à 260 phrases, mais une personne qui est capable de faire des phrases d'une façon fluide sans se tromper, à partir de 20 phrases, on peut déjà reproduire sa voix. Et pour les mots, dans l'idéal, 250 à 400 mots, mais même avec 100 mots, on est capable de reproduire la voix de la personne. Le modèle est créé très rapidement, il ne nous faut pas un mois pour apprendre un modèle et pour qu'enfin la personne puisse s'exprimer avec sa voix. On peut passer à la suivante. Mais je ne sais pas si on va entendre du son. Non, il n'y a pas de son. Donc, en fait, ici, dans la démonstration. Tu as amélioré son point. Oh, c'est pas bon. Tu n'entends pas On entend, mais ça crachouille. Ça marchait. C'est bizarre. Oui, ça marchait tout à l'heure et ça marche. Non. Espérant que les choses vont changer. Oh.
bravo. Non, non, c'est trop vrai. Sur les voix originales, on entend normalement une voix d'homme, une voix de femme et une voix de petite fille. Et à droite, on entend la synthèse vocale de ces voix. On reconnaît très bien ces mêmes personnes. Donc, c'était ça la démonstration. Voilà pour... Merci beaucoup Jean-Luc. Je partagerai du coup ce PowerPoint, comme ça il y aura les vidéos, il y aura aussi les sons, parce que du coup c'est très intéressant. Hein. On voit bien, j'ai pu le voir tout à l'heure, la différence et la reconnaissance de la voix qui est assez fabuleuse quand même. Donc c'est intéressant comme démonstration. Donc j'enverrai le PowerPoint pour que les vidéos puissent apparaître avec le son et qu'on puisse aussi avoir cette démonstration. Sur les voix, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus. C'est les aléas du direct, comme on dit. Merci en tout cas, Jean-Luc. Je vais repasser sur Sarah et Wise, en espérant que le son soit bon. Est-ce qu'on t'entend bien, Sarah? Non. Ah, je t'entends pas. On t'entend pas. Hop, je vais essayer quelque chose. Hop. Est-ce que c'est peut-être dans tes paramètres où au moment où tu as mis tes écouteurs, peut-être que ça a changé de paramètre, le paramétrage du son. Il faut peut-être faire comme Philippe, relancer l'application, te déconnecter et revenir. Oui, ou de remettre les écouteurs en espérant que ça ne grésille pas trop. Bah, les écouteurs, hein, ça se met à vibrer, donc c'est pire. C'est ça. Bon, en attendant que Sarah fasse ses petits tests, bon, pour vous commencer à vous parler de Wise, parce que je connais un peu cette solution, ils ont été lauréats notamment du Handitech Trophy en 2018, si je ne me trompe pas. Dans la catégorie des projets étudiants, parce qu'à l'origine c'est un groupe d'étudiants qui a formé le projet avec Sarah et notamment Maxime Loubar aussi, qui ont formé voilà ce projet. Bon, Sarah va nous expliquer un petit peu l'histoire, mais qui part voilà d'une histoire un peu personnelle de Maxime Loubar et sa grand-mère. Sarah va nous raconter tout ça, mais en tout cas. Mais en tout cas, c'est un projet qui se construit depuis quelques années maintenant, 2-3 ans à peu près. Et je crois que le prototype en est à sa version 2, parce qu'à l'origine, ils étaient étudiants, donc ils ont réussi à faire un premier prototype, on va dire. Et je crois, Sarah va me confirmer ça, mais il me semble qu'on est sur la deuxième version, donc une version un peu plus aboutie. Et sur une grosse phase de test justement. Hop, je vais essayer de déverrouiller la caméra. Je pense que Sarah a réussi à revenir. Est-ce qu'on t'entend, Sarah? Tu m'entends? Allô? Oui. On t'entend super bien. Ça fonctionne. Bon, excusez-moi, c'est pas tout quand même. Hop, j'ai fait une petite introduction. Ça partait d'une bonne intention. Je voulais éliminer l'écho en mettant les écouteurs et finalement, c'était pas une bonne idée. Bonjour à tous. Merci Carla de nous avoir invités à parler sur cette thématique qui nous est très très chère chez Wise. Merci aussi aux deux précédentes interventions. Du coup, on a parlé de la voix, du son. Moi, j'aimerais qu'on se recentre au niveau des yeux. Et du coup, j'aimerais vous inviter à tous chez vous participer à une petite expérience pour vous glisser un petit peu dans la peau des personnes auxquelles on répond. Donc voilà, j'aimerais que vous pensiez à une personne que vous aimez et j'aimerais que vous imaginiez la regarder droit dans les yeux et lui dire, sans ouvrir la bouche, à quel point vous tenez à elle. Si votre connexion est assez forte avec cette personne, alors forcément, elle comprendra. Parce que y a des émotions qu'on transmet mieux avec les yeux qu'avec les mots. Mais du coup, comment vous feriez, rien qu'avec vos yeux, pour tenir une conversation? Pour parler du beau temps, ou de vos opinions politiques, ou encore pour raconter une blague.
Voilà, ça c'est le dilemme des personnes qui sont atteintes, par exemple, de la maladie de Charcot ou d'IMC, d'infirmité motrice cérébrale, comme présenté précédemment. Et en fait, nous, ce qu'on a cherché à faire chez WISE, c'était à redonner une voix à ces personnes-là grâce aux derniers mouvements qu'ils sont capables de contrôler, qui vont être tous les mouvements autour des yeux. Le projet, enfin le dispositif, j'ai demandé de passer la slide, excuse-moi. Le dispositif en fait consiste en une paire de lunettes connectées, qui détecte le clignement intentionnel des yeux. C'est un mouvement qui est un peu plus intense qu'un battement des cils naturel. Ça veut dire que quand on porte les lunettes, on peut regarder son environnement, son entourage sans qu'il se passe rien. Et en fait, dès que la personne va chercher à communiquer, on va lui demander de soit cligner un peu plus fort des yeux, soit d'abaisser la paupière très lentement. Et en fait, ce mouvement-là va lui servir de clic de souris. Et ça permet à la personne de piloter notre application, qui va lui permettre donc de taper du texte, de le faire lire à voix haute, etc. Et le but étant évidemment de retrouver un dialogue avec leurs proches, mais aussi leur personnel soignant et évidemment... tard, le reste de la société. Donc pour la petite histoire, nous c'est un projet effectivement, alors je suis arrivée à ce moment-là, c'est un projet qu'on a commencé quand on était étudiant. Donc, on voulait répondre à un problème. Au départ, on s'adressait exclusivement à la maladie de Charcot. Et alors ce qu'on a appris, c'est qu'il y a très peu de solutions qui existaient sur le marché. Et en fait, nous on s'est dit, on est étudiant, on a du temps, des ressources. On a une idée qui est toute simple, l'idée de petits capteurs infrarouges qui coûtent nettement moins cher qu'une caméra optique, les dispositifs qui existent aujourd'hui et qui marchent tout aussi bien, qui correspondent à ce que les patients sont capables de faire. Donc voilà, on s'est dit, on a une idée, on se lance, on fabrique cette paire de lunettes. Et en fait, après avoir réalisé le premier prototype qui marchait, qui était prêt, on était sur le point d'être diplômé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On a le dispositif, il est prêt, il marche. On ne peut pas abandonner le projet en cours de route. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Et donc, voilà. Alors, je vous ai mis la démonstration en deux minutes. On peut essayer de la mettre. Alors, s'il n'y a pas le son, ça va être compliqué parce que je pense qu'on n'a pas de sous-titres. Soit je vous fais la narration de ce qui est en train de se passer. Soit. C'est pas ma voix, mais c'est bien moi qui vous parle. J'écris avec les mains. Ce sont les émotions que je contrôle. Et avec mes lunettes, j'arrive à faire tout ce que je veux. Je peux jouer à cache-cache avec mes sœurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu exactement ce qui était en train de se passer. Donc, c'est Raphaël, un de nos utilisateurs qui atteint de myopathie, qui utilisait les lunettes dans son quotidien pour communiquer avec ses parents, ses frères et sœurs, puis table.
Donc voilà, l'idée évidemment, c'est qu'il faut s'exprimer au quotidien et voilà, vivre un petit peu comme tout le monde. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous pour vos présentations. Comme je l'ai dit, je renverrai par mail à tous les inscrits à la fois le PowerPoint, les vidéos, etc. Pour que chacun puisse voir les vidéos, avoir le son, la démonstration aussi pour Candy Voice. Donc j'enverrai tout ça dans un mail qui partira demain sans souci. Je vais inviter les participants, hein, s'ils le souhaitent, à poser des questions dans le chat en bas à droite, s'ils en ont. Vous pouvez directement les taper, on pourra les afficher à l'écran si vous en avez. Alors moi, j'ai amorcé, Sarah, la présentation de Wes tout à l'heure en ton absence, et du coup, j'avais en tête une question justement par rapport au dispositif. Il me semble, tu parlais d'être sorti des diplômés de l'école avec un premier dispositif. Et il me semble que la dernière fois, tu évoquais le fait qu'il y avait une deuxième version, un peu plus aboutie, qui était sortie, qui avait beaucoup de tests auprès des usagers qui étaient en cours. C'est le cas actuellement ? Oui, tout à fait. Alors, je l'ai à côté de moi. En fait, sur la deuxième génération des lunettes, donc sur la première, on répondait exclusivement aux patients qui sont atteints de la maladie de Charcot ça demandait, on utilisait qu'une seule paire de capteurs, un de chaque côté du visage. Et en fait, ce qu'on a fait sur la deuxième version, alors ça, ça reste un prototype, évidemment. Moi vivante, on ne sortira jamais comme ça. Mais pour vous montrer, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a miniaturisé les capteurs. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a là, ici, et puis dans la branche, c'est les mêmes capteurs infrarouges qu'on utilisait, mais en bien plus petit, ce qui fait qu'on passe de 2 capteurs à 20 capteurs sur les lunettes. Et en fait, ça nous permet de détecter bien plus de mouvements parce que, notamment, il y a d'autres patients qui ne sont pas capables de cligner des yeux, mais qui, par contre, vont être capables de hausser les sourcils, froncer les sourcils, etc. Et donc, c'est un mouvement qu'on peut utiliser comme notre signal de clic de souris. Et c'est pour ça qu'on a cherché à élargir un petit peu la cible des personnes auxquelles on peut répondre. Et là, effectivement, donc, on est en train de produire ce prototype en une première pré-série pour réaliser des tests auprès de plus de patients. Donc, en fait, les tests qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des tests de plusieurs heures. Et ça ne permet pas vraiment de se rendre compte ce que c'est que d'utiliser les lunettes au quotidien, sur toute la journée, etc., voir si c'est fatigant ou pas. Donc, on va faire des tests un petit peu plus approfondis dès à présent. Ça marche. De votre côté, Jean-Luc et Philippe, est-ce qu'il y a toujours des tests qui sont en cours auprès d'usagers pour peut-être améliorer la solution, la faire avancer? Est-ce qu'il y a des prochaines versions à venir encore plus abouties, ou est-ce que vous avez déjà un produit qui est testé, approuvé et qui aujourd'hui est en main pour les usagers? Je peux commencer? Oui. En fait, notre logiciel d'imitation vocale, nous l'avons couplé à un text-to-speech. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aides à la parole les logiciels d'aide à la parole utilisent des TTS du marché, qui sont des voix génériques, qui sont intégrées dans les tablettes ou dans les PC. Et on travaille actuellement pour faire en sorte que, déjà sous Windows, on puisse intégrer ce logiciel sur une tablette type Windows 10, et de façon à ce qu'avec l'aide à la parole, on puisse sélectionner sa voix et ensuite pouvoir parler avec sa voix. Et donc, on est en train de terminer toute la partie création modèle vocal, ça existe depuis longtemps, mais toute la partie téléchargement, protection, c'est l'identité de la personne. Donc, il faut protéger le modèle de la personne pour pouvoir faire en sorte de l'utiliser. Toute la partie paiement, utilisation, il y aura une version qui fonctionnera sur le cloud,
et une version qui fonctionnera donc sur le cloud. Ça permet de tester, de valider et ensuite en local pour pouvoir ne plus dépendre du Wi-Fi ou d'Internet. Actuellement, donc, nous sommes à la recherche d'investisseurs pour justement passer le cap de test, de vente, d'intégration, puisque on l'intègre sous Windows 10, mais il y a aussi iOS avec Apple, Android. Et bon, il y a encore du travail pour que ça soit généralisé, mais tout, nous maîtrisons absolument la totalité du système actuellement. De votre côté, Philippe, la même question. Alors, la même question. Donc, en fin de compte, c'est vrai que j'utilise depuis très nombreuses années. Hein, et il y a eu pas loin de 800 heures de pratique en structure, hein, avec les personnes en situation de handicap, avec cet outil. Aujourd'hui, la solution telle que vous l'avez eue fonctionne, est en phase donc de normalisation et de design. Hein. Et donc ce MVP, je l'utilise puisque je travaille en structure avec cet outil en termes de prestation de service. J'ai entendu une voix supplémentaire. Je viens donc avec l'outil et avec les propres méthodes corporelles, hein, de médiation relationnelle auprès des équipes et des structures, surtout en maison d'accueil spécialisée, hein, essentiellement. Et plutôt pour des publics qui ont vraiment les plus grandes difficultés pour accéder à toute forme d'animation et de jeu, qui sont, je dirais, très, très isolés, mais en structure. Dans le cadre du développement, l'idée serait de transférer la technologie qui aujourd'hui fonctionne sur Mac en OS Android. Hein. Donc, il y a, pour avoir un produit qui soit aussi intuitif et aussi économiquement plus light, quoi, pour les structures dans le médico-social. Donc, aujourd'hui, c'est spécifiquement axé pour les structures médico-sociales. Et concernant les études de terrain, elles sont en cours et avec différents partenariats et au sein de ces structures associatives, hein. Aujourd'hui, je travaille avec l'Apogée 94 sur un travail de terrain beaucoup sur le Val-de-Marne en ce moment, voilà, avec cet outil. Ok, merci pour ta réponse, Jean-Luc. Philippe, pardon, je me suis trompée. Mais merci à tous les trois pour vos présentations. J'espère que au niveau du son pour les participants, c'était pas trop problématique, mais ils sont restés jusqu'à la fin, donc j'imagine qu'on nous entendait quand même assez bien. Ce que je propose, c'est simplement d'envoyer, comme je vous ai dit, un mail récapitulatif avec à la fois le replay, mais aussi le PowerPoint, les vidéos et aussi vos contacts, Philippe, Jean-Luc et Sarah, de manière à ce que justement, hein, j'ai bien entendu, il y a de la recherche d'investisseurs ou en tout cas dans des phases de test aussi, donc ça peut être intéressant. Il peut y avoir des mises en réseau qui peuvent être faites assez facilement sur l'écosystème de Handitech. Donc voilà, de partager tout simplement aux participants de ce webinaire vos contacts, vos vidéos et les slides aussi pour ceux qui veulent les revoir et pouvoir entendre le son. En tout cas, merci à tous les trois pour vos présentations. C'était très clair, très synthétique. C'était très bien. J'espère que vous avez, de votre côté, du côté des participants, apprécié du coup ce moment, malgré les petits couacs techniques, mais c'est le jeu. Et puis voilà, je fais un mail recap à tout le monde pour pouvoir mettre en lumière les différents points qu'on n'a pas pu forcément voir aujourd'hui, et pour vous apporter aussi les contacts de Sarah, de Philippe et de Jean-Luc, pour que vous puissiez les contacter si le cœur vous en dit, si vous voulez les soutenir d'une quelconque façon. Je vais clore ce webinaire. Je vous remercie encore à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, inviter qui veut dans l'audience, dans l'auditoire, à rejoindre la Handitech si ce n'est pas encore le cas. Vous serez les bienvenus. Vous pouvez nous écrire. On peut échanger ensemble. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'émulsions autour des projets
et de l'inclusion, grâce aux nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas. Un grand merci à tous les trois. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Bonne journée.